Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, je suis là pour vous souhaiter une excellente année 2020, mais aussi pour vous parler de la solution anti-crise de l'année. Et il s'agit de Joco. Donc Joco, qui est une application très récente. Elle a été lancée en 2018 en France, à la station F. Et aujourd'hui, sur Comparateur Banque et sur le web, elle connaît un véritable carton. Donc, pourquoi? Eh bien parce que cette application vous permet de transformer n'importe quelle carte bancaire en carte de fidélité qui vous fait gagner des points et donc de l'argent. C'est une solution futée. Donc, vous êtes prêts à écouter et à comprendre comment ça marche? En tout cas, c'est très facile. Tout d'abord, il vous suffit de télécharger l'application Joco qui est disponible aussi bien sur iOS que Android. Le téléchargement donc et l'installation de cette application est vraiment très simple. Il vous suffit donc de rentrer tout simplement votre nom, prénom et d'y intégrer votre carte bancaire. Donc, avant cela, on vous demandera un code parrain. Le code parrain, donc, ça vous permet en fait de vous relier à quelqu'un et de lui faire profiter en fait justement, parce qu'en fait l'effet Joco, c'est ça, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que non seulement vous gagnez des points, mais vous pouvez également donc en faire profiter votre ami ou potentiellement une personne qui vous en aura parlé, comme moi, comme Comparateur Banque par exemple, et donc qui pourra par la suite faire également donc des achats astucieux, que ce soit pour elle-même, que ce soit pour ses amis ou également pour la planète, puisqu'avec Joco, il est également possible de dépenser son argent dans des associations. Le code parrain me concernant est EGUKQP. Plutôt compliqué, mais en même temps, c'est écrit en dessous de la vidéo, donc facile à retenir. Je vous le disais, l'installation et l'utilisation est très simple. Il vous suffit de télécharger l'application, de saisir le code parrain, de remplir, compléter quelques informations sur vous. Donc en sachant que plus vous donnez d'informations, plus déjà vous allez gagner des points, car oui, Joco donc est une application 100% gratuite. Donc on le sait très bien, et c'est en ça que nous avons émis une légère mise en garde. Plus vous donnez d'informations sur vous, plus les annonceurs donc vont pouvoir vous connaître et vous envoyer des offres vous correspondant, donc ce qui va enrichir leur fichier client. Bref, au final, vous êtes le produit. Mais justement, ce qui est bien, c'est qu'avec Joco, vous pouvez choisir ou non de donner votre date de naissance, de connecter votre compte Facebook ou Instagram, donc ce qui permettra aux marques d'avoir accès plus ou moins à vos informations. Dans tous les cas, vous avez la maîtrise là-dessus. Voilà. Donc, vous rentrez les informations que vous souhaitez et vous connectez votre carte bancaire. Donc, il faut savoir qu'en termes de sécurité, Joco s'est doté de très nombreux outils qui permettent de garantir et de veiller à la sécurité, donc bien entendu, de votre compte bancaire. Une fois que ces éléments sont faits, le tour est joué, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à vous connecter un petit peu de temps en temps ou tous les jours pour savoir combien de points vous avez cumulé. Pour cumuler des points, donc, il vous suffit de choisir 5 enseignes au début, dans lesquelles, donc, bien entendu, 5 enseignes qui vous correspondent, dans lesquelles vous faites le plus d'achats. Donc, ce qu'il y a de bien sur Joco, c'est que, par exemple, vous aurez les grands distributeurs, comme les grandes distributions, comme Leclerc, Carrefour, Auchan, etc., etc., Picard. Donc, à vous de choisir les enseignes dans lesquelles vous allez le plus, puisque ça sera les enseignes qui vont vous faire gagner des points. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de gagner des points. L'autre moyen de gagner des points est de transmettre votre code parrain qui se trouve dans votre application à des amis, de l'indiquer par exemple sur votre compte Facebook pour dire à vos amis, bah tiens, en ce moment, je gagne des points avec mon application Joco, pourquoi pas faire de même. Donc ça, c'est une deuxième manière donc de gagner des points avec Joco. Et la troisième manière de gagner des points avec Joco est de participer à des jeux, car il y a des jeux concours organisés un petit peu tout le temps chez Joco qui permettent de gagner jusqu'à 100 000 points. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez décider de jouer les premiers 100 points qui vous sont offerts pour potentiellement gagner 100 000 points, 80 000 points. Et donc vous faire plaisir. Donc venons-en à la phase on se fait plaisir avec Joco. Une fois que vous avez cumulé vos points, vous pouvez les consulter sur l'application, ce que vous voyez donc maintenant à votre écran, et les transformer en bons cadeaux. Donc il y a deux types de bons cadeaux. Le premier, c'est le bon d'achat que vous allez choisir
Donc vous pourrez prendre par exemple un bon d'achat Amazon, un bon d'achat Promode, Decathlon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Zalando, Marionneau, etc. Donc ça, ce sont des bons d'achat de 10 000 points. Donc en sachant que 10 000 points égale 10 euros de réduction dans cette enseigne. Ou sinon, vous avez d'autres bons d'achat qui sont à partir d'un nombre de points un petit peu plus élevé. 20 000 points par exemple chez Ikea ou 50 000 points chez Sarenza. Sinon, vous avez également donc la possibilité d'utiliser ces points pour faire une bonne action. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié de la part de Joko, puisqu'ils ont pensé justement à la possibilité d'offrir 5 000 points à l'UNICEF, à WeForest, à la Croix-Rouge ou à d'autres types d'associations. Donc il y en a une petite dizaine, donc à vous de choisir. Le nombre de points qu'il faut avoir pour ça est de 5 000 points. Et donc ces 5 000 points seront convertis en 5 euros qui seront transmis à l'association de votre choix. Je vous ai brièvement donc expliqué le fonctionnement de Joko. Je vous ferai peut-être une autre vidéo par la suite un petit peu plus poussée. Mais donc là, c'était vraiment pour vous permettre de découvrir cette nouvelle application qui du coup bah, permet de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres ou à la planète tout simplement, rien que ça. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie d'utiliser cette application qui, comme je vous le disais, est 100% sécurisée pour votre compte bancaire. Et si jamais donc vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser en dessous de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas à la partager, à en parler à des amis. Et voilà, n'hésitez pas également donc à vous abonner à cette chaîne YouTube, puisque plus il y aura d'abonnements à cette chaîne, plus elle aura de visibilité. Les vidéos seront vues et les gens sauront ce qu'il est intéressant de faire ou pas, donc que ce soit par rapport aux banques en ligne, par rapport aux solutions fintech et d'autres solutions de paiement, par exemple, solutions pour gagner un petit peu plus d'argent, augmenter votre pouvoir d'achat. Et vos finances. Voilà. Sinon, bah, pour conclure cette vidéo, de nouveau, je vous dirais que je vous souhaite une excellente année 2020 avec tout d'abord la santé, puisque la santé, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Sans la santé, il me semble qu'on n'a rien. Donc, je vous souhaite une excellente santé en 2020 et je vous souhaite également beaucoup de joie et de bonheur et d'avoir un petit peu plus d'argent dans vos poches. Donc, pour ce qui est de l'argent dans les poches, eh bien, je vous invite à consulter le blog, à consulter nos réseaux sociaux et notre site, puisque tous les jours, donc, nous postons des articles avec des idées bah, pour faire des économies, gagner un petit peu plus d'argent, gagner des primes et s'enrichir un petit peu plus tous les jours. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.